Chers tous, le couple Que dit la loi vient à cette fin d'année vous présenter ses vœux les meilleurs pour l'année 2023. Je sais que l'année 2022 n'était pas une année facile. Il y a beaucoup de familles qui ont versé les larmes. Il y a beaucoup de familles qui ont été torturées, tuées. Mais j'espère qu'avec l'aide de Dieu Tout-Puissant, l'année 2023 sera une année meilleure. Voilà pourquoi nous vous présentons nos vœux de prospérité, de longévité, mais surtout d'amour pour l'année 2023. Que Dieu vous protège. Et vous demandons de rester unis dans l'amour et surtout dans la crainte de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais rappeler au peuple du Lualaba, le grand défi qui nous attend, ce sont les élections. Malgré les atrocités à l'Est, malgré la guerre à l'Est, je sais qu'avec l'aide du Seigneur, nous y arriverons. Tous unis, nous sommes forts.